pour lancer l'utilitaire macOS sur un ordinateur Intel, donc ici c'est le cas, c'est un ordinateur Intel, on appuie sur les touches commande R, une fois sur on off, on maintient les deux touches enfoncées jusqu'à voir le logo Apple qui s'affiche. Voilà. Donc là l'ordinateur maintenant va précharger le système de récupération qui est l'utilitaire macOS. Et à partir de là, on va pouvoir venir changer le mot de passe de l'utilisateur qu'on a perdu. On choisit ici la langue d'utilisation, français. On s'assure que la langue du clavier est bien sûr français. Je viens ici dans la rubrique utilitaire et je viens chercher l'outil terminal. Dans l'outil terminal, ce que je vais taper, c'est la commande qui s'appelle reset password. Donc reset tout accroché en minuscule et j'appuie sur entrée. On a l'outil de réinitialisation de mot de passe qui s'est ouvert à l'arrière-plan. Et donc on a ici l'utilisateur user. Donc on voulait mettre le mot de passe user, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ici justement user en mot de passe. Vous n'êtes pas obligé de mettre un indice. Vous cliquez sur suivant. Voilà, le mot de passe a été modifié, réinitialisé, et ce qu'on va faire c'est qu'on va tester. On va cliquer sur redémarrer. On devrait redémarrer maintenant sur la session. Et cette fois-ci, c'est bien le mot de passe user qui va nous ouvrir la session. On teste, donc user, tout à l'heure ça passait pas, et maintenant si je tape user, voilà, j'ai ma session qui s'ouvre. Donc si vous aviez perdu votre mot de passe de session, vous pouvez ici réinitialiser le mot de passe de la session sans avoir à perdre les données ou de faire une réinitialisation de votre système. Si vous avez apprécié ce contenu, n'hésitez pas à nous le signaler en laissant un commentaire, en mettant un pouce bleu, ou en vous abonnant à la chaîne. On vous remercie.